au-dessus de Menton, à un moment donné, c'est au-dessus de la mer, vous ne pouvez pas dire, allez, on fait demi-tour, on va se poser à Menton, c'est fini. Vous êtes parti avec le vent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant quand on vole, et ce qui surprend au premier vol, c'est le silence. Vous êtes tout à fait dans ce panier suspendu, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, vous entendez tous les bruits du sol, par contre. Quand vous volez, à 10h du matin, au-dessus d'une cour d'école, tout d'un coup, va passer un ballon, vous entendez des cris, mais vous êtes à 500 mètres au-dessus de l'école, vous entendez tout, les corps, c'est formidable. Donc il y a le silence, il y a le silence. Préparé à ça parce qu'on ne s'en préoccupait pas. Ce qui est important dans ces projets pédagogiques, c'est que ça met une graine très jeune. Moi j'appelle ça déjà le gène environnemental. C'est-à-dire que dans leur existence, ces jeunes, dans leur vie, dans leur responsabilité, qu'elles soient familiales, professionnelles, en dessous de cette poche d'hélium, vous imaginez le même ballon, le même logo, la même publicité, et en dessous vous aviez deux petits brûleurs qui permettaient de réchauffer cet hélium et qui permettaient de compenser, je dirais, les montées, les descentes, et alors qu'on arrivait à changer effectivement ou à compenser si on avait un peu de vent, un peu de... Chanteur.